Cet épisode commence avec Arras, qui sort de sa conversation avec Perihan et tombe sur Duru. Elle lui demande ce qu'il faisait pour discuter aussi longtemps, et Arras lui dit que Perihan lui a proposé d'être son chauffeur. Duru lui dit qu'elle espère qu'il a accepté. De son côté, Ipek est mal en point, et Ferda lui demande si elle veut ses cachets, et lui demande si elle sait ce qu'elle a dû faire pour les avoir, et lui donne un. Ipek le boit, et se sent mieux. Ferda lui dit qu'elle devrait avoir honte, et dit qu'il y a beaucoup à dire, mais ils le diront plus tard. Ferda lui dit ensuite que Mervé lui a parlé pour Saïm, et dit qu'elle ne doit pas s'amuser de lui dire pour son père, et Ipek dit qu'elle ne le fera pas. Ferda lui dit qu'elle va finir la vie de son frère dans le cas contraire, et lui dit de demander à Arras si elle est en train de blaguer, et s'en va. De son côté, Duru demande à Arras pourquoi il hésite, et dit que Mervé va vivre avec eux à présent, et lui aussi, et dit que cette dernière l'aime beaucoup. Arras est sur le point de lui dire quelque chose, lorsqu'il reçoit un appel de sa sœur, et celle-ci l'explique, ce qui s'est passé avec Ferda. Arras lui dit qu'il arrive, et Duru propose de l'accompagner. De son côté, Ferda est inquiète, et demande à Fikret de l'aider à retrouver sa fille. Il dit qu'il va voir ce qu'il va faire, et elle le remercie. Fikret intercepte l'avocat, et lui demande ce qu'il allait faire chez Perihan le matin. Il dit que cette dernière voulait faire signer quelques documents concernant Ferda, et lui dit que chacun a ses secrets, et dit qu'il peut juste lui dire que Perihan est en train de préparer quelque chose de sale. De son côté, Mervé est au centre-ville, et appelle tous ses amis, pour leur demander de l'héberger quelques jours, mais ceux-ci refusent. Un garçon essaie de lui voler son sac, Mervé le rattrape, et se met à le battre. Elle récupère son sac, et le garçon s'enfuit. L'homme de main de Perihan la regarde faire, et est étonné. Un vendeur ambulant vient vers elle, lui donne à manger et à boire, et Mervé le remercie. Perihan arrive, et son homme lui raconte ce qui vient de se passer. Perihan va s'asseoir près de Mervé, et celle-ci est étonnée de la voir. Mervé lui demande comment elle l'a retrouvée, et Perihan dit qu'elle a réussi à la sentir avec ses grandes narines, et lui fait la blague du petit chaperon rouge. Puis elle dit qu'elle aimerait manger quelque chose, et lui propose d'aller quelque part. Mervé accepte, et elles s'en vont. De retour au présent, Ferda parle avec son avocat, et lui demande si elle a les nouvelles de sa mère biologique. Son avocate lui dit que ce n'est pas cela le sujet, et dit qu'elle ne peut pas appeler cette femme mère, car elle ne l'a non plus appelée sa fille. Ferda lui demande pourquoi elle dit cela, et dit que cette dernière l'a peut-être fait, en l'appelant sa fille, ce qui perturbe son avocate. Son avocat lui dit alors qu'il y a des erreurs qu'on fait dans la vie sans savoir, jusqu'à ce qu'on les confronte. Elle lui dit ensuite qu'elle n'a pas su comment faire avec Mervé, et a fini en prison. Ferda lui dit qu'elle a raison, et dit qu'il y a le bon côté de toute chose. De retour dans l'histoire, Arras arrive à la maison avec Duru, et lui demande d'aller plutôt discuter avec sa tante, et dit qu'il s'occupe d'Ipek. Duru accepte, et il s'en va. Arras entre, et demande à sa sœur, si elle va bien. Elle dit que ça va, et lui dit que Mervé lui a parlé pour Ferda et Fikret. Arras lui dit que c'est un sujet délicat, et Ipek est surprise, qu'il soit déjà au courant. Il lui dit qu'il sait que c'était pas bien, et dit qu'il garde le silence pour une raison, et lui dit que Perihan a dit qu'elle va payer pour sa chirurgie, et Ipek est tellement contente, et la remercie. De son côté, Ferda dit qu'elle a appelé tout le monde, et dit qu'elle n'a pas les nouvelles de sa fille. Duru lui dit que Mervé était vraiment en colère, et elle aussi, et lui dit qu'elle n'aurait pas dû divulguer ses informations sur leur vie aux journalistes. Ferda lui dit qu'elle a gardé le secret depuis plusieurs années, et lui demande pourquoi elle a tout dit à présent. Elle dit qu'elle voulait blesser sa mère, et dit qu'elle était également en colère. Elle dit qu'elle a fait une erreur, et demande des excuses. Duru lui dit que tout va bien, et dit qu'ils vont retrouver Mervé. Elle lui demande si elle sait que Mervé va vivre à présent avec eux. Elle dit oui, et dit qu'elle veut juste savoir que sa fille va bien, et dit qu'elle ne fait jamais rien de bien. Duru s'assoit près d'elle, et lui dit qu'elle envie Mervé, et dit que cette dernière peut encore se discuter avec sa mère, ou lui parler du garçon qu'elle aime, ou encore échanger des recettes de gâteaux. Elle dit qu'elle ne peut plus le faire, et coule quelques larmes.
Ferda lui dit qu'elle est désolée et lui dit qu'elle sait que personne ne pourra remplacer sa mère et dit que si elle le veut bien, elles peuvent échanger des recettes de gâteaux en tant que tante et Duru dit qu'elle le veut bien et la prend dans ses bras. De l'autre côté, Arras demande une fois de plus à Ipek si elle n'a réellement rien dit au sujet de Ferda à quelqu'un. Elle dit non et Arras lui demande de ne pas le faire. Ipek lui dit que Ferda a dit qu'elle va finir avec sa vie et lui demande ce qu'elle voulait dire. Arras ne répond pas et veut s'en aller et tombe sur Duru et est étonné de la voir dans la maison. De son côté, Ferda appelle partout et cherche sa fille. Fikret vient la voir et elle lui demande de vite entrer et dit que Duru est juste en bas et il lui demande ce que sa fille fait là. Il demande ensuite si elle a des nouvelles et Ferda lui dit qu'elle n'a pas de nouvelles et lui dit qu'il devait déjà annoncer qu'ils vont se marier. Fikret dit qu'il n'aime pas les ordres et dit qu'il ne peut pas encore. Ferda lui dit que sa fille n'est nulle part et la déteste et dit qu'elle s'en fout s'il ne peut pas encore. De son côté, Duru demande à Ipek de persuader son frère d'accepter de travailler pour Purihan et dit qu'ils seront tous ensemble au final, car Mervé et lui vivront à présent sur place et elle viendra les voir. Ipek supplie son frère et il finit par accepter et cette dernière est contente. Duru reçoit un appel de sa grand-mère qui lui dit qu'elle a retrouvé Mervé et dit qu'elles sont allées dîner. Duru dit qu'elle a compris et dit qu'elles ne l'ont même pas fait signe. Ipek lui demande de rester dîner avec eux et Duru leur propose de sortir dîner dehors. Ipek a une idée et dit qu'elle est fatiguée et les demande de partir sans elle. Duru demande à Arras s'il est d'accord et dit qu'elle va aller dire à Ferda que Mervé est avec Purihan et va passer ensuite le chercher. Une fois parti, Ipek lui demande ce qu'il est en train de faire et dit qu'il doit également rester près de Duru et celui-ci est étonné du raisonnement de sa sœur. De son côté, Ferda dit qu'elle veut sa fille et ils entendent un bruit à la porte. Ferda lui dit que c'est sa fille et lui demande s'il va l'annoncer la nouvelle ou elle le fait. Fikret lui demande d'ouvrir et de ne rien dire. Ferda ouvre la porte. Et Duru lui dit que Purihan est avec Mervé et qu'elles vont passer la soirée ensemble. Ferda est néanmoins contente et le dit à Fikret. Celui-ci sort et sa fille lui demande ce qu'il fait là. Ferda dit que son père avait une surprise pour elle et Fikret ne sait pas quoi dire. De son côté, Mervé demande à Purihan de ne pas insister et dit qu'elle ne peut pas vivre dans cette maison. Elle dit qu'elle ne veut pas voir Fikret et dit qu'elle n'aura pas le courage de voir ses cousins en face. Purihan dit qu'elles doivent commander et demande de leur faire un petit déjeuner à dîner et Mervé est contente. Pendant ce temps, Fikret sort avec sa fille et dit à Ferda qu'ils vont bien prendre soin de Mervé. Il demande à Duru si elle rentre à la maison, elle dit oui et dit qu'elle aimerait aussi savoir de quelle surprise Ferda parlait. Fikret lui dit qu'il n'y a pas de surprise et dit que sa tante exagère un peu. Ferda dit qu'elle ne veut pas gâcher la surprise et dit que son père va lui dire en soirée. Arras sort avec Ipek et dit à Duru qu'il va l'accompagner. Elle dit non et dit qu'il va passer la chercher en soirée et s'en va avec son père en disant au revoir à Ipek. Une fois parti, Ferda demande à Arras de lâcher Duru et de se rapprocher de sa fille, car elle aura besoin de lui en ce moment. Arras lui dit qu'il se soucie de Mervé plus qu'elle et dit qu'elle n'a pas à s'en faire pour cela. Ferda lui dit qu'il a déjà une grande bouche et lui demande de se méfier. Arras lui demande ce qu'elle va faire et lui dit qu'elle peut montrer la vidéo à qui elle veut. Il lui parle de l'histoire du scorpion qui a piqué la grenouille qui l'aidait à traverser la rivière et dit qu'elle est comme cela, et dit qu'ils vont tous couler, si elle venait à montrer cette vidéo, et s'en va. De son côté, Mervé est en train de dîner avec Purihan, et s'en met partout, ce que la fait rire. Puis, Purihan lui demande, si elle a parlé de ce qui s'est passé hier, à quelqu'un, et Mervé dit qu'elle a parlé à Ipek, et dit que cette dernière ne dira rien. Une fois partie aux toilettes, Purihan appelle Arras, et lui demande de lui passer sa sœur. Il le fait, et Purihan dit à Ipek de ne rien dire sur ce que Mervé lui a confié, et elle dit qu'elle a compris. Arras lui demande ce qu'elle lui voulait, et Ipek dit qu'elle lui a parlé d'opération, et s'en va. Mervé revient des toilettes, et dit qu'elle invite Purihan, et décide de payer le repas.
Elle se rend compte qu'il est trop cher et elle y met toutes ses économies. Elle dit ensuite à Pyrrhiane qu'elles doivent partir et dit que l'argent n'a pas suffi. Pyrrhiane dit qu'elle est d'accord et glisse un billet de $50 sous le plat et elles s'en vont. En soirée, Ferda mange toute seule et est triste. Elle regarde la photo de sa fille, repense à ce soir-là et se met à pleurer. De son côté, Arras est en train d'attendre Duru et est ébloui en la voyant. Elle dit qu'il fait froid et préfère annuler. Arras lui demande de ne pas partir et ils s'en vont en voiture. Ipek est au téléphone avec Saïm et lui dit qu'elle s'ennuie seule à la maison. Il lui dit qu'il est également seul, demande de le rejoindre et dit qu'ils vont voir un film. Elle dit qu'elle arrive. Elle classe les couvertures pour faire semblant d'être endormie et s'en va. De son côté, Duru arrive au restaurant et dit à Arras qu'ils vont fêter son nouvel emploi. Pendant ce temps, Saïm fait entrer Ipek en douce à la maison. Fikret arrive à son tour et entre à la maison d'un pas pressé. Au restaurant, Duru demande à Arras si tout va bien et dit qu'il est un peu tendu et demande si cela a à voir avec Mervé. Il dit qu'il n'est juste pas à sa place et dit que c'est bien d'être là avec elle. Il dit qu'il n'y a rien entre Mervé et lui, et Duru lui dit qu'il devrait lui donner une chance, et s'en va aux toilettes. Arras repense à ce que Mervé lui a dit, sur le fait que Duru le considère comme un ami, et est triste. Il se rappelle également de ce qu'a dit Ferda, et ne sait plus quoi faire. De son côté, Duru est stressé aux toilettes, et dit qu'elle ne peut pas faire cela à Mervé, et dit qu'ils sont deux amis qui dînent ensemble. Ferda est devant le portail de Pyrrhiane et attend l'arrivée de sa mère et de sa fille. Elles arrivent et Ferda appelle Mervé et lui demande de la regarder au moins en face. Mais celle-ci ne répond pas et s'en va à l'intérieur.